Foussa, stop là! Salut à Foussa, capitaine Darbals, Missa revenu! Kenenye Jar Jar, viens chez Boss! Dis ça dans mon car-ca! Hein? Sauvage! Tu aurais peut-être quelque chose à nous dire, Sacha. Missa, honte. Mais Missa, banni. Missa, oublié. Pourtant, il semblerait que ce soit utile de se rappeler. Missa, verrouillé, grosse bulle. C'est très migraine à ouvrir. Un bon coup. Vas-tu nous éclairer sur la raison pour laquelle tu as été banni? Jar Jar, gros balourd! Boum le gazeur, zibouillé limousine du boss! Missa a dit! Ça a été accident! Oui! Jar Jar a accidentellement lâché le volant pour attraper ton report miam miam! L'armée droïde est sur le point d'attaquer les Naboo. Nous ça, précipant les Naboo. Nous devons les avertir. Nous ça donne vous ça un bon go. Chemin direct pour Naboo. Oh. Passe par noyau planète. Qu'allez-vous faire de Jar Jar Binks? Partez avec lui. Maître, qu'est-ce qu'un bongo? Un véhicule, j'espère. Ça et sous-marin, nous ça, trouver un dans la méga-bulle. Où ça? Suivez Missa. Passez par noyau planète. Garobobo! Je suis bien plus inquiet de tes antécédents avec les sous-marins. N'aie crainte, ce n'est pas lui qui conduira. Nous ça, voilà! Porte fermée, mais laissez fermer ça. Foussa, dingo, passez par noyau planète. Voici Foussa Bongo, dès que Foussa prêt à être établi.
Gros poisson loup, gros grande dent. Ne t'inquiète pas, la force nous guidera. La force? Oh non, 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 non. Vite, tire. Bizarre, on aurait fait un autocontact. Il faut que cette créature se pousse. Tire-lui dessus, Obi-Wan. Il y en aura toujours un plus gros. On perd de la puissance. Reste calme, nous ne sommes pas encore en danger. Vous êtes un con ? Quand est le danger pour vous, ça ? La puissance revient. Mais monstre, regarde ! Marche avant, toutes ! Missa dit que noyau planète, car au bonbon ! Ton optimisme constant est vraiment encourageant, Jar Jar. Il s'amuse avec nous. Oui, mais nous devrions encore pouvoir le blesser. Notre ami a encore faim. Non, attends. Très joli. Nous devons trouver la reine. Victoire. Saleté de chaise. Je suppose qu'ils vont l'amener dans leur vaisseau. Si leur vaisseau se trouve dans leur hangar, je vous donne le temps de le tuer. Ça y est, c'est fini. Je crois. Mais qui de vous nous remercier de nous avoir sauvés? Nous sommes les ambassadeurs du chancelier suprême. Il est urgent d'entrer en contact avec la République. Vous avez des vaisseaux? Dans le grand hangar, par ici. Vous ça, Kaïd ? Ce n'est pas très loin. Restez tout près. C'est dangereux pour la reine ici. Nous devons partir immédiatement pour Coruscant, au sein de la République. D'autres droïdes ? Ne les laissez pas s'échapper ! Oh!
Reculez. Voici le vaisseau de Son Altesse Royale. Prêt à partir? Voilà le blocus. Générateur de bouclier bougé. Petit droïde a réussi. On va manquer d'énergie pour aller jusqu'à Coruscant. L'hyperdrive fuit. Là, maître, Tatooine. Une petite planète, isolée, pauvre. La Fédération du Commerce en est absente. Tatooine, tu dis? Tu as des suggestions pour le meilleur endroit où se poser? Le spatioport de Mos Espa est notre meilleure chance de trouver les pièces dont nous... Attendez. La reine ordonne que je vous accompagne. Elle a de la curiosité pour cette planète. Qui ça? Où ça? Je suis Padmé, une des suivantes de la reine. C'est une mauvaise idée. Mais si c'est ce que la reine souhaite... Maintenant, trouvons un mécanicien qui vend les pièces dont nous avons besoin. Demandons...
Je sais ce dont tu as besoin. Tu as besoin d'un petit chapeau à hélice pour ton petit astromécano crasseux. Il aura un... Je parie que tu cherches des pièces. Je m'en doutais, c'est pareil pour tout le monde. Il faut aller voir Watto. Son magasin est de l'autre côté de la ville. J'ai besoin de pièces pour un vaisseau Nubian 327 type J. J'ai environ 20 000 datari républicaines. Des crédits républicains, ça vaut rien. Je veux du palpable. Tu es un drôle de petit garçon. Je construis un module de course. Tu dois avoir des réflexes de Jedi si tu pilotes des modules. Demain, il y a la course de la Bunta. Alignez mon module. Anakin. L'argent du prix paierait toutes les pièces dont ils ont besoin. La force est d'une rare intensité chez lui. Cela ne fait aucun doute. Il mérite bien mieux qu'une vie d'esclave. Le garçon m'a dit que tu le sponsorises pour la course. J'ai gagné un module à un jeu de chance. Je parie mon nouveau module contre, disons, le garçon et sa mère. Hein? Aucun module ne vaut deux esclaves. Le garçon. Banco. Si c'est tout ce dont nous avons besoin, allons à l'arène et inscrivons Anakin à la course. C'est tout à fait exact. Un public très nombreux venu aux quatre coins de la bordure extérieure. Et un concurrent de dernière minute, le jeune Anakin Skywalker, un indigène. N'oublie pas, concentre-toi sur l'instant. Ressens. Ne pense pas. Fie-toi à ton instinct. D'accord. Que la force soit avec toi.
accident, c'est fini pour Maverick. Difficile à regarder, mais la foule semble adorer. Faire passer ces modules à travers l'encoche, c'est comme essayer de faire entrer Java dans un spinner et du 34. Ça va être juste. Il semble que les pilotes ont de la compagnie, à savoir une pire cascade qui risque de les gêner. Apporte les pièces dans le hangar. Je passerai plus tard à la boutique chercher le jeune garçon. Maman, regarde tout l'argent que nous avons. Maintenant, tu peux réaliser tous tes rêves, Annie. Alors prépare-toi, le temps presse. Youpi! Il deviendra un Jedi? Oui. Et ma maman? Ma place est ici, mon fils. Tu dois voler de tes propres ailes. Je reviendrai te libérer, maman. Je te le promets. Ah, maître Anakin. J'eusse préféré être un peu plus élaboré. Désolée de pas t'avoir fini ces 3 PO. Au revoir. Oh, Seigneur. Anakin, il est temps de quitter Tatooine. Allons vite au vaisseau. Je vais partir avec vous, dans votre vaisseau. Missa, dérange maître Obi-Wan. Lui, ça a laissé Missa ici. Lui, ça n'a pas aimé Jar Jar.
Je ne suis pas en mesure de vous aider. Mais une autre solution se révélera. J'en suis certain. J'y arrive pas. J'aimerais bien pouvoir. Besoin d'un taxi interplanétaire ? Montez donc. Anakin, baisse-toi. Ah ! Poisson loup ! Oh ! Allez ! Dis-leur de décoller. Si nous pouvons éviter de combattre d'autres inconnus à capuche, nous finirons peut-être par arriver à Coruscant. En effet. Toutefois, je crois que cet inconnu était peut-être un seigneur Sith. Le sénateur Palpatine nous accueille lui-même. Laissez-nous vous expliquer rapidement la situation à Naboo, pour que mon peuple puisse enfin être sauvé. Salutations, Altesse. Maître Jedi. Ah !